sans-papiers travaillent, les sans-papiers payent les taxes, donc c'est le gouvernement qui reçoit les taxes. Pourquoi, si on reçoit de l'argent des sans-papiers, pourquoi on ne veut pas donner les papiers? Les sans-papiers veulent vivre, dis-moi, veulent vivre comme les autres. Ils sont des humains, ils ne sont pas des invisibles. Vous pensez que les sans-papiers ont été en deuxième ligne dans la lutte contre la COVID? Les sans-papiers étaient les livreurs, les ébouilleurs, les femmes de ménage, les hommes de ménage. C'était des sans-papiers aussi, les caissières. Donc on demande à cause de tout ça qu'on nous accorde nos droits à l'installation et à la circulation. Je suis sur le territoire français, ça fait 8 ans, je n'ai pas de papier et je suis mal logée. C'est mon troisième foyer qui est là, je suis fatiguée. J'ai envie d'être régularisée pour vivre décemment, normalement comme les autres. Je suis fatiguée.